Et pour terminer ce journal, comme je l'ai dit au sommaire, mesdames et messieurs, un journalier de la Société nationale de l'électricité Boma a rendu l'âme ce jeudi 23 septembre 2021 aux environs de 16 h après avoir délesté la cabine de la SNEL située à Doumbé. Très mécontent de ces faits, un collectif de journaliers de cette Société nationale de l'électricité ont acheminé le corps de l'illustre devant la mairie de Boma. Regardez. Pas plus tard que les après-midi du jeudi 23 septembre 2021, un journalier de la Société nationale d'électricité, SNEL, était électrocuté en plein service. Cette situation a causé un soulèvement de la part de la population. Le constat est amer. L'eau est l'ennemi de l'énergie électrique, selon un adage dit-on. Mais malheureusement, c'est le contraire pour cette cabine. Il y a un mariage bien scellé entre l'eau et les courants électriques. À quand le déplacement de cet outil de la SNEL pour éviter les jours à venir, les dangers? Un SOS est lancé aux autorités politico-administratives en général et en particulier de cette société de l'État. Nous avons une solution. Nous avons une solution. Nous avons une solution. Nous avons une solution.